Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale confinement, les choses à faire. Si vous vous ennuyez pendant le confinement, on est énormément sur cette planète à être confiné chez nous. Restez chez vous s'il vous plaît, je vais vous donner plein d'idées, 15, 16 avec le bonus, pour ne pas trop s'ennuyer quand on est confiné chez soi. J'espère que ça va vous plaire, c'est pas petit. Première chose, on est beaucoup à vous le dire, mais trier, trier, trier. Par exemple, le dressing, tu prends tous tes vêtements, tu les sors tous, tu les mets tous en tas quelque part, sur ton lit par exemple. Tu prends les vêtements un par un et tu te demandes si t'as envie de le prendre avec toi dans le futur. Il faut être décisif et pas trop se dire pour une occasion je vais là en avoir besoin. On a plein d'habits qui peuvent faire pour plein d'occasions, donc autant garder ceux-là et donner ou vendre les autres. Il y a pas que le dressing pour faire du tri, le bureau, la chambre. Le fait de trier vous permettra de mieux ranger aussi, c'est mon conseil numéro 2, mon idée numéro 2 pour ne pas trop s'ennuyer. Vous pouvez ranger, vu que vous avez trié auparavant, il y aura moins de choses à ranger, moins de problèmes de place, etc. Ça fait aussi du bien à l'esprit si une chambre elle est rangée, elle est nette et chaque chose a une place. En 3, on est toujours dans le nettoyage, cleaning et tout. Déjà, nettoyez votre chambre. Voilà, ça vous prendra un peu de temps, c'est toujours ça. Et j'avais aussi eu l'idée de nettoyer votre voiture si vous en avez une. Perso, moi je le fais absolument jamais et c'est peut-être le moment de le faire. L'intérieur de la voiture, l'extérieur, vous pouvez vous amuser à absolument tout nettoyer de fond en comble. Ça prend du temps et c'est ce qu'on veut en ces temps de confinement parce qu'on a trop de temps pour nous. En 4, vous pouvez redécorer, réarranger votre chambre comme vous le voulez. Ça va être un peu difficile d'avoir des nouvelles choses pour mettre dans sa chambre parce que ben voilà, tous les magasins sont fermés. Vous pouvez commander sur internet, mais je crois que on va peut-être un peu se calmer à commander toujours sur internet parce que je crois qu'ils sont un peu débordés. Donc si vous pouvez récupérer des choses dans votre maison, les réarranger, les redécorer, les repeindre, faire comment ça s'appelle déjà ? Du home staging, voilà. Vous pouvez aussi déplacer les meubles de votre chambre. J'ai mis mon lit ici, j'ai un nouveau lit d'ailleurs. Avant il était dans l'autre, de l'autre côté de la pièce et du coup bah, maintenant j'ai un autre endroit pour filmer et c'est trop chouette. En 5, faire du sport. C'est pas très motivant au début mais plus on en fait, plus on a envie d'en faire et ça peut ne faire que du bien à votre corps qui est en train d'ingurgiter plein de choses parce que vous vous ennuyez et du coup vous mangez, vous mangez, vous mangez. Ce qui est mon cas. Du coup si vous faites du sport tous les deux jours par exemple ou tous les trois jours, enfin voilà, 3-4 fois par semaine, si vous voulez commencer tranquille, ça va très bien. Vous pouvez aussi vous mettre à la méditation, au yoga, à toutes ces choses qu'on ne prend pas le temps de faire et qui serait bien qu'ils deviennent une routine dans votre vie de tous les jours quand ce confinement sera levé. Vous aurez plus l'impression de faire un effort quand vous allez faire du yoga, de la méditation, du sport, etc. Ça va devenir une routine et vous allez plus pouvoir vous en passer. En 6, faire un petit peu travailler le cerveau, lire, lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez le temps pour ça, donc profitez de lire. Toutes sortes de livres, des trucs scientifiques, des romans policiers, de la science-fiction, enfin voilà, vous avez vraiment genre tout votre temps pour ça, alors instruisez-vous. Et ça en vient à mon point 7 qui est d'apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment le moment pour apprendre une langue. Je sais pas, vous êtes moyennement bon en anglais, et ben vous prenez des cours. Moi je l'avais fait avec Babbel quand j'étais plus jeune, mais je sais que maintenant il y a d'autres applications. Renseignez-vous sur internet, il y a plein d'applications qui vous apprennent plein de langues. Donc c'est le moment. Si vous avez aussi envie de prendre de l'avance sur vos études, moi je rentre à l'uni en psycho en septembre, donc je sais que je vais un peu m'informer sur les trucs. J'ai déjà fait 3 ans de psycho, donc je vais pouvoir relire mes livres d'école que j'ai gardés, etc. Mon point 8 est de cuisiner. Vous pouvez apprendre de nouvelles recettes. Il y a aussi Cyril Lignac, je l'ai regardé quelques fois et il est trop drôle. Sur M6, ils font une recette tous les soirs. Vous pouvez avoir la recette et les ingrédients avant pour pouvoir être prêt pendant qu'il fait le live. Et il vous donne plein de petites astuces, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui se sont mises en place pour ce confinement à la télévision. Aussi sur YouTube, il y a plein de recettes que vous pouvez apprendre. De cuisiner, ça vous passe le temps et vous avez une récompense à la fin. En 9, si vous avez des vieilles photos que vous n'avez jamais fait d'album avec, si vous avez ces photos qu'à l'époque on tirait tout le temps les photos. Moi je sais qu'on a un bac mais énorme de rempli de photos qui n'ont pas été triées, pas été mises dans des albums, c'est le moment de le faire. Vous vous mettez au soleil sur votre terrasse si vous avez la chance d'en avoir une et vous triez toutes ces photos, c'est juste le moment de le faire parce qu'on ne prend jamais le temps de faire ça. En 10, on l'oublie souvent de le faire mais il serait hyper important de faire du tri dans nos ordi, dans notre téléphone. Du tri, c'est-à-dire supprimer les mails qui sont
pas important. Je sais plus les chiffres, mais je sais que genre ça utilise tellement de données. Je vous mettrai un truc d'étude ici. Prenez le temps de tout effacer vos mails, faire vraiment le big tree dans votre iPhone, le big tree dans votre ordinateur. On a toujours des trucs qui restent. Numéro 11, vous pouvez progresser en maquillage. Si vous avez l'envie de vous maquiller et que vous avez quelques produits à votre disposition, c'est le moment de vous mettre sur votre coiffeuse, de prendre un tuto make-up et de vous essayer au maquillage. Ça va pas venir du tout en une fois. Vous aurez sûrement pas les produits hyper adaptés, mais vous pouvez apprendre plein de choses là-dessus. J'avais un peu délaissé le make-up ces dernières années. Là, je m'y suis remise et je me rends compte que en fait, j'ai zappé plein de trucs. Il y a tellement de nouvelles techniques, tellement de nouvelles choses que j'ai plein de choses à apprendre et je trouve ça vraiment chouette qu'après, on est flawless pour toute la journée, c'est cool. Point 12, c'est un point que j'ai jamais entendu nulle part, je crois. C'est de prendre l'habitude de s'épiler et non pas de se raser. Vous avez le temps de vous faire mal. Donc au lieu de prendre votre rasoir et vite de faire, ou si vous vous épilez pas, voilà, c'est pas pour vous. Mais si vous avez l'habitude de vous épiler, si vous aimez vous épiler, prenez l'habitude de le faire avec de la cire ou votre épilateur électrique. Plus vous ferez à la cire ou à l'épilady, l'épilateur électrique, moins vous aurez mal. Donc c'est peut-être le moment, vu que vous avez le temps, de prendre votre courage à deux mains et commencer cette nouvelle routine. Point 13, commencez des vidéos sur YouTube. Si vous avez toujours eu envie de faire des vidéos sur YouTube et que vous étiez toujours dit « Ah mais non, ça prend trop de temps, j'ai pas le courage, j'ai pas les choses qu'il faut, j'ai pas... » Il y a plein de choses. Vous pouvez faire des vidéos avec un iPhone, vous pouvez les monter sur votre iPhone avec des applications non payantes ou sur un ordi si vous avez un ordinateur. Et vous pouvez vous en foutre du regard des autres. Si vous avez toujours voulu faire ça, faites-le, vous avez le temps, ça vous prend du temps parce que vous devez réfléchir à l'idée de votre vidéo, écrire votre vidéo suivant ce que c'est, filmer la vidéo, monter la vidéo, publier la vidéo, faire la miniature, il y a plein de choses. En général, ça prend... ça peut pas prendre genre moins de 4 heures. En général, moi, ça me prend au moins 4 heures. Ça vous prend du temps et c'est trop bien parce qu'il y a plein de gens sur internet et du coup, il y a plus de gens potentiels qui tomberaient sur votre vidéo. Voilà. Numéro 14, évidemment, faire un marathon de films, de séries. Si vous voulez une vidéo sur mes suggestions de films ou de séries que j'ai adorées, ces temps, je suis en train de regarder plein de séries en même temps, j'ai plein de suggestions, je peux vous faire cette vidéo, dites-moi en commentaire. Donc si après avoir lu, après avoir fait des vidéos, après vous être épilé et après vous être maquillé, vous avez vraiment rien à faire, les films, les séries, ça passe toujours très très bien. Aussi, petit tips pour les séries et les films, vous pouvez les regarder même avec quelqu'un, même s'il n'est pas dans la même pièce que vous. Vous pouvez vous appeler et regarder la série en même temps. Avec votre copain, votre copine, une amie, que sais-je, il y a plein de gens à appeler et c'est chouette aussi de partager quelque chose avec les gens qu'on ne voit plus. Point 15, il y a beaucoup de temps pour rechercher des nouvelles musiques et refaire une playlist. Souvent on ajoute juste des musiques à notre playlist et on n'aime pas les anciennes qu'on avait mises. Donc supprimez tous les titres que vous aimez plus, vous pouvez plus les entendre à chaque fois que vous les skippez. Et vous ajoutez de nouveaux titres, vous avez le temps de les rechercher, temps de regarder des playlists sur YouTube. Je pense qu'il y a plein de youtubeurs qui font des playlists, je pense en faire une parce que ça pourrait vous donner aussi des idées. Point bonus, je dirais juste passer du temps avec ceux qui sont dans la même maison que vous. Si c'est votre famille, si c'est votre copain, si c'est votre chat. Il faudrait qu'on profite de vraiment comprendre ce qu'on nous enseigne là, de vraiment profiter des gens avec qui on est et passer du temps avec eux. Faites un jeu de société, un jeu de cartes, ce que vous voulez, avec votre famille si vous êtes avec votre chat, ça va être un peu plus compliqué, mais passez du temps avec votre chat. Moi je fais que des câlins à mon chat et ça se voit qu'il est trop content, que voilà, ils sont tout contents, ces animaux, de nous avoir tout le temps à la maison. Donc profitez des gens qui sont avec vous. Voilà, c'est tout pour mes idées spéciales confinement pour pas trop vous ennuyer. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aviez pas déjà vu toutes ces idées sur YouTube. J'ai pas regardé de ce genre de vidéos, j'ai vu qu'il y en avait mais je les avais pas regardées, donc j'espère que j'ai pas dit les mêmes conseils que tout le monde. Je vous fais à tous plein de gros bisous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas, mettre un pouce bleu sur la vidéo et puis à vous abonner, ça fait toujours très très plaisir. Je vous fais à tous de très très gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour une nouvelle vidéo. Bye bye.